Et on est de retour à la SFCO avec la structure gagnante, évidemment, le Monaco eSport. On a à gauche, ou plutôt à votre gauche sur l'écran, Cobra, le joueur du roster. Et à droite, vous aurez Jack, donc, qui est vice-président de la structure Monaco eSport. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien, Cobra. Et toi, Jack, ça va? Après une victoire, ça va, j'ai un peu. Ouais. Mais ça va. Ouais, ça ne m'étonne pas. En tout cas, écoute, bien joué à vous. Merci. Cobra, donc que toi, tu viens de rejoindre le roster il n'y a pas si longtemps que ça. On avait parlé à Zach qui nous avait dit que voilà, il fallait que tu travailles sur ta communication, etc. On sent que tu es quand même bien rentré dans le roster. Toi, tu te sens comment maintenant chez Monaco eSport? Je me sens très bien. Ouais, tu te sens très bien, ça va. Aucun Tu sens souci. même plus en avance, plus tu te sens mieux. Enfin, vous huilez tout le temps le roster. Ça passe, c'est ça passe crème. Ok, d'accord, ça marche. Et Jack, bon, soyons honnêtes, je pense concrètement que tu as peut-être l'un des meilleurs rosters amateurs des 3 ou 4 dernières années en France. Ça fait quoi d'avoir des jeunes aussi talentueux dans sa structure? Ben, je suis très fier d'eux, surtout de l'arrivée de Cobra suite au départ de Riska. Que dire de mieux qu'un top 1, mais voilà, je trouve qu'il y a de très belles équipes à la SFCO, c'est le réservoir de l'e-sport français. Donc ben, y a tous les jeunes talents passent par là. Donc vraiment, je suis fier de mes gens, mais je suis aussi très fier de tous les participants et du staff SFCO qui nous accueille toujours chaleureusement avec le soleil à Paris. Donc on est très très heureux, très satisfait de ces playoffs. Oui, bah, en tout cas pour nous c'est un plaisir aussi de vous accueillir et de voir à quel point voilà, vos performances continuent à être aussi importantes. Cobra, petite question peut-être pour toi. Voilà, vous avez joué Overtime sur vos dernières maps. C'est comment de jouer contre les anciens pour qui t'as joué? Est-ce que tu avais une pression en plus? Il fallait que tu sois meilleur Non. parce que t'as quand même été très très bon sur la dernière vos derniers matchs. Et tu t'es senti comment avant de jouer Overtime? Au début, j'étais excité. Ouais. Je voulais à tout prix les détruire, quoi. Mes anciens mates, Ouais, ancienne non, ouais. structure. Ouais, voilà, normal, normal. Okay, en tout cas, bien joué à vous. Vous avez été tout simplement incroyable. Vous avez Merci. gagné cette première saison. Vous avez perdu aucune des étapes. Bravo à vous. En tout cas, nous, on remercie évidemment Monaco eSport, mais surtout nos partenaires, ViewSonic, Prozis, SCUF et j'en passe. Évidemment, merci à tous de nous appuyer. SFCO qui est ravi toujours de accueillir Monaco eSport et toutes les autres Merci à vous. structures. Et on Merci. remercie aussi. Oui, là, et bien sûr, maintenant on va parler de la saison 2 avant que nous nous quittions. N'oubliez pas, elle va commencer le 14 et 15 juillet avec le premier tour qui sera un tour de LAN. Ensuite, la deuxième étape se fera le 20 juillet et la troisième étape le 25 et 26 août. Vous aurez ensuite les playoffs et la LAN de rattrapage comme vous l'avez vécu aujourd'hui avec nous les 22 et 23 septembre. Voilà, pour pouvoir un petit peu compenser les parties en vacances évidemment qui sont compréhensibles. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était SFCO eSport. Merci à vous deux, Jack et Cobra. Merci à Je vous vous souhaite aussi. un bon retour et bonne soirée à tous. À Merci de nous bientôt. avoir suivis. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?